I started the recording. I know that they're not at the longhouse, so they might need just a few seconds to get ready. Yeah, hello. It's going to take us maybe just a couple of minutes. We're going to hook up to Facebook Live. Awesome. This is nice. Well, I'm a good boy, good joke was what I'm seeing you, Signori. Gazidans Rio, you just go and nudge and Dutch it's going to start Ronata Rooney. Digging in with all the Gurunga Guria Gesu, Yetisota as Tanka Garakwa, then a Yetinistas, you Hunzagi, then a Aguegoscat, Neganungwe. Dating with all the Aguegoscat, Anunkosu, Anunkosu, then a Aguez and Nigan Yatrigero. Bonsoir tout le monde. Donc, comme à toutes les fois, on fait notre ouverture, nos remerciements. Donc, Stuart se présente, il indique son nom. Gatidan Sayiyu, il était le fils de Kahwenuje quand il était vivante. Elle portait le titre sacré de femme chef du clan du loup de la nation Ganyangahaga. Et on offre nos remerciements à la femme ciel qui nous donne notre esprit, ensuite à notre grand-mère lune qui nous donne notre corps, notre sang, et ensuite notre mère terre qui nous donne notre corps. Et ensuite toutes les femmes, la toute petite fille, la plus nouvelle-née jusqu'à la plus aînée, puisque c'est toute la mère de nos nations. Et on remercie toutes les eaux, toutes les médecines et l'esprit de nos ancêtres du bon esprit. We don't hear you, huh, guys? Yeah, we're having a little technical problem here. Okay, anyways, tonight we're here at the Greek Cultural Center, right? On Park Avenue in Montreal? Greek Workers Center. Donc, ce soir, on est ici au Centre des travailleurs grecs, ici sur l'avenue du Parc à Montréal. We're in the basement. We're waiting for Christine and the group. We're supposed to be here to do a rehearsal for the play that we're going to be doing this Saturday. Et on est ici au sous-sol, puis on attend Christine puis toute la gang parce qu'on est censé faire une répétition de la pièce de théâtre qu'on va jouer ensemble samedi prochain. So we figured that. Since we got to be here anyways for the rehearsal that we would do the mumble from here. So there's a few technical difficulties. Et puisque on est ici, ben on s'est dit ben on va faire le mumble à partir d'ici et là bon, on a comme des petits trucs techniques à régler. And we are also Facebook living.
Et en même temps, on est en train de faire le Facebook Live pour tout le monde qui ne sait pas. It's on my Facebook and if anybody's watching on Facebook. Donc, c'est sur le Facebook de Longhouse Stuart Mayo, s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder le Facebook. Unless you are a part of the mumble session, which we do on a weekly basis, you might not be able to hear the sound of the mumble conversation. Et au moins que vous faisiez partie du groupe avec lequel on travaille pour faire les sessions de mumble à chaque mercredi. Il se peut que vous ne soyez pas capable de tout écouter ce que les gens sur la plateforme virtuelle ont à dire. I don't really know if the people on Facebook can hear your conversation. Donc je ne sais pas très bien si les gens sur Facebook peuvent entendre la conversation. So you have to bear with us. See what happens. Donc merci de votre patience, puis on va voir comment que ça se produit. Okay, before we got here, was there anything being discussed already? Donc avant que on arrive, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était déjà entamé comme discussion? Yes, there was actually Inka that shared that where she is right now in Germany, it's like summer arrived straight away, like in no time, like very interesting. And I experienced the same thing here. Like it's as if we went from having a lot of snow to like super, super warm weather. Donc oui, Inka, en fait, avec France, on en discutait un petit peu plus tôt. On parlait justement que en Allemagne, où est-ce que Inka se trouve, l'été est arrivé d'une seule claque, là, comme on a passé, eux autres, ils ont passé vraiment à l'été beaucoup plus rapidement. Puis la même chose pour moi, on avait cette discussion-là. C'était vraiment une discussion ouverte. Okay. I don't know if everybody noticed, but this past week, everybody heard there's volcanoes, there's sinkholes. It's cutting, Stuart. We cannot hear you. You either have like a bad connection or something. Oui. On avait ici dans le sol, on avait peut-être. On n'entend vraiment rien, Edith. On ne peut pas décoder ce que vous dites du tout, du tout, du tout. Edith, on n'entend absolument rien. Ça coupe, puis on ne peut même pas écouter, on ne peut même pas entendre un mot. Well, we're in the process. Can you hear me? Oui, okay. So, donc, people on the mumble, so they're going to move closer to the internet connection, so they'll be there in a second. Donc, les gens sur le mumble, soyez juste patients, ils vont se diriger pour avoir une meilleure connexion internet. Okay, now. We cannot hear you still. I don't know if you're trying to speak, but we have no, nothing. We're okay, coming. Can you hear us? Now it's great. Okay, as we were saying that this past week, everybody knows volcanoes, earthquakes, sinkholes all over the place. So it means that there's a change, a big change in the density and the pressure
on our Mother Earth. Donc, comme on disait, il y a eu cette semaine beaucoup de mouvements au niveau de la Terre. Il y a eu des éruptions volcaniques, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu beaucoup de trous qui sont apparus sur l'asphalte un peu partout. Donc, c'est un indicatif comme quoi Mama Terre est en train de vraiment bouger et ça démontre aussi un changement dans la pression. C'est vraiment dans la pression. I've noticed that from the different women that I have contact with, my nieces and all of you, all our friends, that each of you have been feeling the change in the pressure in different ways. Et moi, j'ai remarqué que par le contact que j'ai avec toutes les femmes, par exemple mes nièces, vous toutes, nos amies, il y a comme des indicateurs que vous subissez aussi les effets du changement de la densité. One was feeling the pressure like an anxiousness, a fidgetiness. Il y avait quelqu'un qui ressentait la pression comme une espèce d'anxiété, comme s'il fallait faire de quoi bouger là. One was even like feeling ill in the stomach. Il y avait quelqu'un d'autre qui était même malade de l'estomac. I know Edith was having nosebleeds. Et Edith, par exemple, je sais qu'elle avait des saignements de nez. And when Edith told me, it was yesterday, yeah? You told me, when she told me that she was having nosebleeds, that she was attributing it to flu, eh? Ouais, puis quand Edith m'a dit qu'elle avait des saignements de nez, elle m'a dit qu'elle attribuait ça à comme s'il y avait un rhume qu'elle avait attrapé. And she started going on, and I says it's not flu, it's not attributed to that. Et moi je lui ai dit non, continue même pas là, c'est par rapport avec un rhume là. That it's the pressure that all the women are feeling, and of course in different ways. Mais c'est la pression que toutes les femmes sont en train de ressentir, et ça dans tous les niveaux. Because of each person that I'm identifying, like the different changes. That each one was thinking like it was like an illness, like Edith thought it was the flu, but actually no symptoms. But you're hit with this change, but without symptoms of actual illness. Et donc là, c'est par exemple associé immédiatement à une maladie, mais il n'y a pas de symptômes vraiment, mais c'est associé à la maladie parce qu'on ne sait pas comment le nommer, donc c'est pas une vraie maladie, mais c'est associé à cette question de la pression là. And so these changes in the pressures is going to alter everything. It alters everything on the planet. Alors le changement des pressions altère tout, absolument tout sur la planète. Pressures even would affect things in the soil, such as worms. Et par exemple, la pression va affecter des choses au niveau du sol, même par rapport aux vers de terre, par exemple. Which means it would affect the seeds that we plant in the soil. Ce qui voudrait dire que ça va aussi affecter les semences qu'on va planter dans le sol. Anyways, these pressures, the changes in the pressures will affect the bird life. Maybe perhaps some of you, like we said last week, pay attention to the birds. Maybe you have noticed. Et par exemple, ces pressions-là vont également affecter toute la vie animale. Donc, on avait dit la semaine passée, faites attention aux oiseaux, par exemple. So, okay, just going on this, I'll just ask, is there anything that anybody has experienced in the past week in line with this, what we're identifying? Et donc, juste basé sur ce que je viens de mentionner, je poserai la question s'il y a quelqu'un dans cette ligne-là qui a expérimenté des choses similaires. Oui, ben, je pourrais peut-être dire, je vais prendre la parole, il n'y a pas personne là, qui a demandé la parole pour le moment. Yes, I would like to share something, nobody asked to speak, so I'm going to start. Moi, personnellement, ça a été une douleur incroyable à la dent qui est venue. For me, it came in the shape of having a real high pressure in the tooth that I had fixed, but going up to my ear, it was really painful. Donc, c'était vraiment une douleur qui irradiait même à l'oreille, à un point tel que j'ai repris un rendez-vous chez le dentiste en pensant qu'il y avait quelque chose, to the point where I took another appointment to the dentist to make sure that there was nothing wrong. Et aussi, peut-être partager au niveau ben, ce que Stuart disait par rapport aux oiseaux, and also sharing what Stuart was mentioning regarding the birds. Ça a été extraordinaire. C'est sûr que je vis sur le bord d'une rivière, mais juste aujourd'hui, il y a eu trois outarnes qui ont décollé
J'étais avec ma mère, ils sont apparus de nulle part, puis ils étaient vraiment là, ils nous rasaient la tête, là. Vraiment à la hauteur des têtes, ils étaient immenses, c'était comme, on a eu l'impression qu'on volait avec eux. So, just today, I was working outside, my mom was with me, and we saw three geese. They came out of nowhere, they basically flew, and like right at the back of our head, and went, and there were three of them, and they were huge. And we had the feeling we were actually flying with them. It was so close. So that was one good thing. And this morning, very early, also, I seen an osprey going into the river. Et aussi ce matin, j'ai vu, j'ai oublié le mot en français, mais en tout cas, c'est un espèce de faucon qui pêche, là, qui a plongé directement dans la rivière. Donc, énormément d'activités au niveau des oiseaux. So, il y a a lot of bird activity around here. If anybody is on Facebook, can you tell, can you hear what is being said on the mumble? S'il y a des gens qui se trouvent au Facebook, que vous êtes en train de suivre la conversation, est-ce que vous pourriez nous indiquer, par exemple, par un commentaire, si vous êtes dans l'ordinateur du mumble Deez? Okay, so anyways, I've also noticed the changes in the pressures, not only like I said, with the women that I've been speaking to, but also I've noticed pressure in the smoke of the fire. Donc, j'ai pas seulement remarqué la question du changement de la pression au niveau des femmes avec qui j'ai parlé, mais aussi je l'ai remarqué avec la fumée de la cheminée. You know, we've had a fire all my life. We have a fire all the time. Vous savez que depuis toute ma vie là, on a eu un feu constamment brûlant. The only thing that I can say to explain is that it's different. Et la seule chose que je peux dire pour l'expliquer, c'est que c'est différent. It's behaving differently. Ça se comporte différemment. And the only thing that I can attribute what I am observing to is the change in the atmospheric pressure. Et la seule chose à laquelle je peux l'attribuer, ce changement-là, c'est à ce changement dans la pression atmosphérique. I don't know if everybody's aware, but from the what's taking place in Hawaii. Et je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais de ce qui a lieu en ce moment en Hawaï. That this also, they're used to volcanic activity all the time there, but this is a different type of volcanic activity. Ça aussi, eux autres, ils sont super habitués à avoir de l'activité volcanique tout le temps, mais cette fois-ci en particulier, il s'agit de quelque chose de différent. It's not an eruption or an explosion of a volcan, of a volcano. Ce n'est pas une explosion d'un volcan. In fact, what it is it's actually lava leakage from fissures, cracks in the earth. Mais en fait, c'est le lava qui coule à partir des fissures qui se font dans la terre. So we know, of course, lava, volcanoes, it's all about pressure. Alors, bien sûr, nous savons pertinemment que la lava, la pression, c'est les volcans, c'est la température, la pression, pardon. So we can identify right there that the pressure is conducting itself differently. Alors, nous pouvons identifier là tout de suite que la pression est en train de se comporter différemment. And that's not me identifying this. This is, of course, what all the meteorologists are saying. I think it's the American something, Meteorological Society, something like that. Et ce n'est pas moi qui identifie ça, mais c'est plutôt la société météorologique ou quelque chose comme ça. Hey. Et là, il y a Christine qui arrive. Some people from the play are here. Christine is here. And guess what? Christine is pregnant. Et donc Christine est ici, et comme vous pouvez vous le voir, Christine she's like 9 months old. Losing weight. Elle perd du poids. So also anyways, the other thing that is different about this particular volcanic activity. Alors l'autre chose qui est aussi particulière par rapport à cette activité volcanique là.
is that I'm sure you've all seen this, that there was a huge cloud of smoke, but it was pink. It was pink in color. Je suis certain que vous avez vu ça. Il y avait une grosse nuage, un grand nuage de fumée, mais ce nuage-là était de couleur rosé. It looked like any other volcanic eruption, you know, like, but it would be all gray, ash, dark, and all of that. Et ça avait l'air comme de n'importe quelle autre éruption volcanique, mais il y avait, bah, il y avait la couleur gris, tout comme un peu des cendres. But this one was pink. Mais celle-là était rose. And so, you know, I don't know what the specific chemicals are, whatever was in that particular dust cloud. Et je ne sais pas c'est quoi les chimiques, les éléments, les composants chimiques qui se trouvent particulièrement dans ces nuages-là. But I do know that it was the color pink. Mais je sais que c'était la couleur rose. And Edith's wearing a pink shirt. Et Edith porte des blouses roses. Almost looks the same color as mine. C'est à peu près la même couleur que la mienne. But I just associate pink with the life givers. Mais je viens d'associer la couleur rose aux donneuses de vie. You know, like when if you see that color somewhere in creation, it's either in flowers or some beautiful bird or something like that. Par exemple, si vous regardez cette couleur-là dans la nature, dans la création, vous allez voir ça, par exemple, dans une fleur complètement belle ou peut-être un oiseau. It's the beauty of creation, and the beauty of creation expresses itself or builds itself, creates itself from the female foundation. Et c'est la beauté de la création, et donc cette beauté de la création-là se bâtit à partir de la beauté féminine. So anyways, it's just how I see, I gauge a difference happening in the world, because there are things happening on a worldwide scale that affect humans, that affect every living thing. Alors c'est comme ça que je mesure ce qui arrive dans le monde, parce que toutes les choses qui arrivent dans le monde vont directement affecter chaque être vivant. So again, if there's anything else that anybody has since last week in these lines, then let's discuss it. If not, we'll go on to something else. Alors à nouveau, s'il y a des choses que les gens ont à partager par rapport à ça, qui seraient dans ces mêmes lignes-là, sinon, ben, on peut passer à parler d'autres choses. La parole est à Marie-Noëlle et je vais te demander de faire des phrases courtes, Marie-Noëlle, pour que je puisse les traduire en anglais au fur et à mesure. Merci. Est-ce que tu es là, Marie-Noëlle? Sort of a streptococcus A, amygdalae, a very serious amygdalite, I don't know how to say that in English, and fever, her throat was really on fire, very red and very swollen. And she was also having pain in her belly. So, and she has that for 1 week. That's what she wanted to share. Est-ce que Stuart veut commenter? Oh, how long did she have that for? Marie-Noëlle, est-ce que tu peux me l'écrire, s'il vous plaît? I'll ask Marie-Noëlle to write it. Oui, savoir combien de temps que ça fait, Marie-Noëlle, que ta fille a ça. Une semaine, 1 week, she had that. Okay, we're doing another little move. Like we said, that we're here where we're doing the play rehearsal. And so they're going to be doing it in the back. We're going to be sitting over here and you might be able to see a little bit of something.
Donc, comme on disait, on est ici avec nos amis au Centre des travailleurs grecs. Donc, on va bouger un peu pour voir si vous pouvez observer un peu de ce qu'ils font en arrière. Donc, ça, c'est un peu la scène là, qu'on va avoir pour la pièce de théâtre samedi prochain. Tout le monde est bien évidemment invité. C'est le 53-59 Avenue du Parc. Et c'est ici qu'on va faire la pièce de théâtre. Donc, il y avait aussi Inka qui voulait parler. There was also Inka that wanted to speak. Do I go ahead? Yes. Concerning this, there is a lot of mixed emotions going on since last week. And after the last mumble session, I had some really bad kind of nightmares. And it had something to do on one hand side with earthquakes and with the turmoil on Earth. And on the other hand, it had something to do with the vision I had that brought me to the longhouse. Donc, Inka partage pour elle là, qu'il y avait énormément d'émotions mélangées. Il y a eu aussi beaucoup de cauchemars. Elle rêvait à des tremblements de terre. Et elle a aussi eu un rêve qui lui a rappelé une vision qu'elle a eue il y a plusieurs années. And it happened this week a couple of times that I was just laying there. I'm on the first floor. And I can feel the earth trembling under me. And it seems like it has an impact on my dreams and it has an impact on my feelings throughout the day. It's like kind of feeling drained. Et elle a aussi ressenti, là, quand, par exemple, elle se couche là, par terre ou sur le sol, ou elle ressent la terre trembler et elle pense qu'il y a un lien aussi avec les rêves et puis les visions que ça a causé. And then was my question if you have received my email, Stuart? With the drawing that I sent you, but... Donc, la question que Inka a pour Stuart, c'est à savoir si Stuart a reçu son courriel qu'elle a envoyé avec le dessin à l'intérieur de ce courriel-là. Yes, I've seen it. I've been meaning to get back to you with that. I believe it was Mary Claude or Edith too also. One of Mary Claude, I guess, that I was supposed to communicate with you with on that. Oui, Inka, j'ai reçu ton courriel et ça fait longtemps que j'essaie de te répondre. Je pense que c'est Marie-Claude aussi qui m'en avait parlé, mais oui, je suis sur le sujet. But as soon as I seen what you sent, of course, just the visual image that you drew, your drawing, right away, it's like a whole story revealed anyways in that one image. Mais dès que j'ai vu ton dessin, aussitôt que je l'ai regardé, c'est comme toute une image complète s'est déployée devant mes yeux. J'ai complètement compris avec ton image. I know you wanted to talk privately about that, so I'll just leave it at that here for now. Et je sais que tu voulais parler par rapport à ça de façon privée, donc je vais m'arrêter là pour le moment. So I know that Mary Claude is supposed to be here tomorrow. We could have contact on that tomorrow. Et je sais que Marie-Claude est censée être ici demain, donc on peut avoir un contact avec toi pour faire un suivi par rapport à ça. But yes, there's a lot to that image. There's a lot of hidden story that you otherwise would have no way of knowing. Mais oui, il y a beaucoup avec cette image-là. Il y a comme une histoire cachée que tu n'aurais comme pas une autre façon de le savoir. For the other stuff about the feeling drained or no energy, low on energy. Et pour ce qui est du reste, de ne pas avoir de l'énergie ou de te sentir drainé. Right now in this room and any room wherever you are at,
There is a normal pressure that we are used to. À ce moment, dans cette chambre, de cette salle, ou n'importe quelle salle ou chambre dans laquelle on se trouve normalement, on a une pression déterminée. And the amount of things in the room actually affects things such as temperature, and it affects the human's comfort level. Et la quantité des choses dans la pièce, par exemple, vont affecter les humains d'une façon directement. So if you put a lot more things into this room or into your room where you are at, all of a sudden you're going to notice the change in the density of the air, the pressure. You're going to notice things might get a little stuffy, or one way or another it'll be detectable. Donc par exemple, si tu commences à ajouter de plus en plus des choses dans la chambre, il va y avoir une pression qui va augmenter, puis tu vas ressentir les effets sur toi. So if we have this regular atmospheric pressure that we're used to as a result of all these conditions, alors si nous avons une pression atmosphérique à laquelle on est habitué à cause de toutes ces conditions-là dont on parle. Contributing factors. Pas des conditions, mais plutôt des facteurs qui contribuent à ça. Then when we consider that, then of course, if we put something else in here, it will increase the pressure on us, and the pressure on us will effectively bring us down, even cause some people to feel depressed. You know, have it a wide spectrum of effects on people. Alors quand on considère cela, qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont faire en sorte que la pression va augmenter, alors les gens peuvent se sentir carrément écrasés par ces pressions-là, et donc il y a des questions de dépression ou des choses qui vont faire que l'énergie de la personne diminue. So right now, women around the world are feeling the effects of these pressures in different ways that you are not used to. Alors, à ce moment, les femmes autour du monde ressentent ces effets de cette pression-là et qui s'expriment de façon que vous n'aviez pas vu auparavant. So it may make you feel sick, and if you feel sick, you may feel like nauseated, and you may feel concerned, you may even feel like you want to go to the hospital, which will in turn cause stress upon you. Alors il se peut que tout ça, ça vous fasse sentir par exemple un peu avec la nausée ou avec un mal au ventre, et que ces choses-là que vous n'êtes pas habitué à ressentir, du coup, ils vont vous dire, bon, ben, je vais aller à l'hôpital. Et donc ça, ça va être un stress de plus sur vous. So at this time, just be aware of the fact of that this change in atmospheric pressure does in fact change or affect us in all these ways. Alors, en ce moment, c'est juste la chose la plus importante, c'est d'être conscient, complètement cognitif du fait que toutes ces questions par rapport à la pression vont nous affecter de différentes façons. So don't give way to anxiety or stress or concern or doubt or any of that. Alors ne faites pas de la place à l'anxiété, au doute, à la dépression ou rien de ces lignes-là. The women in particular are feeling this message of our Mother Earth. C'est surtout les femmes qui ressentent ce message de notre Mère Terre. So depending on your cognitive state, alors tout dépendant de votre état de conscience, of your connection with our Mother Earth, et de votre cognition et de votre connexion avec notre Mère Terre, and the reality of what is truly happening upon her, et la réalité de ce qui se passe effectivement sur elle en ce moment. Then when you feel that power, that energy from our Mother Earth, based on that state, it will, you may feel the anxiety, or you may feel actually happier. Quand que vous allez ressentir ça, vous allez peut-être, par exemple, je sais pas moi, tomber dans la déprime, ou peut-être vous allez juste ressentir du bonheur. But your cognitive state of these things, your cognizance, is what affects positively or negatively your physical symptoms. Mais ça va être la cognition, la conscience que vous allez avoir de ça, ce qui va faire que vos symptômes physiques soient, admettons, gérés. Say, for instance, if you are
very hurt by what is happening to our Mother Earth, all the destruction. Par exemple, si vous êtes très blessé par toute la destruction qui est en train d'arriver en ce moment à notre Mama Terre. Then right now, right, the things, the event that's happening right now, affecting the world could make you feel like crying or depressed. Cet événement qui a lieu sur notre Mama Terre, il se peut que ça vous fasse ressentir de la tristesse, puis que vous soyez, que vous vous sentez comme basse en énergie et que ça retombe même dans la dépression. So anyways, the women in particular, you're feeling all of this, you're exposed to all of it, and if you're not cognizant of it, it could affect you negatively. Alors, les femmes, surtout, si vous n'êtes pas consciente et avec la cognition de ce qui est là, ça pourrait vous affecter négativement parlant. But it's not actually that which is happening that's affecting you negatively. Mais c'est pas ce qui arrive en fait qui vous affecte négativement. It's actually as a result of your own disconnect from the reality of what's happening. Mais plutôt la déconnexion de votre propre déconnexion de la réalité qui a lieu en ce moment. So what all the women should do is just enjoy. Alors, ce que toutes les femmes devraient faire, c'est tout simplement jouir de ça. Enjoy the fact that our Mother Earth is communicating with you directly. Jouir du fait que c'est Mama Terre qui est en train de communiquer avec vous directement. Even if it is a communication of pain, if she is identifying to you pain and you are feeling it in the fiber of your being. Et même s'il s'agit d'une communication de douleur, que ça vous fait ressentir de la douleur, remerciez pour cette communication-là parce qu'il est en train de vous transmettre un message. Be happy. Soyez heureuse. Celebrate it. Et célébrez-le. Because she's communicating it to you. Parce que c'est elle qui est en train de le communiquer à vous, à toi. And along with that communication, identifies something else. Et avec cette communication-là, il y a quelque chose d'autre qui se fait identifier également. That she needs you. C'est qu'elle a besoin de vous, de toi. She is giving you her daughter's responsibility. C'est elle qui vous donne, vous, les filles de la terre, la responsabilité. So you should celebrate what you are feeling. Alors vous devriez célébrer ce que vous ressentez. Celebrate the connection with our Mother Earth that maybe is being renewed or just rejuvenated. Et la connexion avec notre Mama Terre qui est peut-être juste en train de se renouveler ou peut-être en train de se rajeunir. But if you celebrate it, mais si vous le célébrez, you will become intertwined with it. Vous allez être connecté intimement avec ça. You'll become as one with it. Et vous devenez en tant qu'un avec ça. And then when you are feeling these things that our Mother Earth is conveying, et quand que vous ressentez ces choses que notre Mama Terre est en train de transmettre, it might not take you a year, 2 years, or 5 years. Il se peut que ça va pas vous prendre 5, 2 ou 1 an. For you to comprehend what that meant way back then. Pour que vous compreniez qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là. But you will be able to comprehend it as it is happening. Mais vous allez être capable de le comprendre lorsque ça arrive. Which means you'll be more of a controlling part of it. Ce qui veut dire que vous allez être une partie qui va avoir plus de contrôle sur la situation. This is the role that our mothers always played. Et c'est ça le rôle que nos mères ont toujours joué. And by them working with that power and energy, et lorsqu'elles travaillent avec ce pouvoir et cette énergie-là, they transmitted the proper way of how to live in this world. Elles transmettent la façon correcte de comment vivre dans ce monde. You know, you're sitting there, maybe you feel a bit uncomfortable. I want to go sit over there. Et par exemple, admettons que vous êtes assise, et puis là, vous dites, oh, je suis pas si confortable que ça, je vais aller m'asseoir là-bas. And then the moment you go sit over there, you look back where you were and something terrible happened. Et le moment que vous allez vous asseoir là-bas, vous retournez votre tête pour voir où que vous étiez assise, puis à ce moment-là, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. This is what the people are supposed to do. They are supposed to be directed by the messages that our mothers receive. Et c'est ça ce que les gens sont censés de faire. Ils sont censés de diriger par les messages que nos mères reçoivent. See, right now, in Hawaii, I'm sure the mothers would have been telling people, maybe even before those things happen, we must move away from here. Et vous voyez, ça serait peut-être les mères en Hawaï qui diraient aux gens, même avant que ces événements qui ont lieu en ce moment arrivent,
il dirait aux gens, ben, il faudrait qu'on bouge là, il faut déménager. But under the craziness of male dominance, the just doesn't happen. Mais avec la folie de la domination masculine, ben, ça arrive tout simplement pas. Sort of like here in Montreal, every year the river floods out and people live there, they get flooded out, but they go rebuild every year in the same place. Comme par exemple ici à Montréal, à chaque année, le fleuve va déborder ou la rivière va déborder, puis les gens vont continuer à construire à la même place en sachant que ça va déborder à nouveau puis ça va inonder à chaque fois. This is, of course, again, is a result of losing the capacity to have immediate communication with our Mother Earth through our mothers. Et ça, c'est le résultat immédiat du fait d'avoir perdu la communication entre la réception des messages de la part de notre mère terre et les femmes qui reçoivent ces messages-là. So if there's anything else that anybody had since last week. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose que les gens auraient à dire, à partager depuis la dernière semaine? But Mary Claude, I remember when we were on the phone yesterday or today, whenever. You said something about your fire? Mais Marie-Claude, tantôt ou hier, quand on était au téléphone, t'as mentionné quelque chose par rapport à ton feu? About your stove? Sur ton poêle? Oui, j'ai complètement oublié, puis c'était vraiment quelque chose de très spécial, là. J'avais l'impression que ma cheminée était complètement bloquée. J'ai fait un feu comme à l'habitude. Ça fait 10 ans que j'habite chez moi. J'ai jamais eu de problème avec aucun. Tu sais, je fais des feux, c'est super facile. Et là, il n'y avait rien. La fumée revenait. Je partais le feu, puis la fumée ressortait par tous les trous du petit foyer que j'ai ici. Et j'ai jamais vu ça. Et un petit peu plus tard, j'ai refait un feu, puis il n'y avait absolument aucune trace de ce qui s'était passé. So yes, of course, I actually forgot about that. Thanks for reminding me, Stuart, that I have here a stove, and I've been living here for more than 10 years, so I've never had any problem with making a fire. And actually, it was very strange. I started a fire, and then the smoke blocked. Like, it was as if like the chimney was completely blocked. And the smoke came out on all the holes of the little stove I have. And a few hours later, I make another fire, and there's no problem, as if nothing happened. So it's true. It's also linked to what we're discussing tonight. I wanted to ask if Inka wanted to add something. Inka, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Nothing special. The only thing maybe that came up to my mind that is that throughout the last days the sky had a different color. It's like it's more blue, very intense, and I can relate to what Stuart said when he talked about the density, and because the sky is like it's closer, it's like it's coming closer, and there were no clouds, no nothing, just plain blue. I have never did see that before. So that was okay, that's it. Sorry. Donc Inka dit que elle a aussi noté une différence de couleur. Elle dit que le ciel il est vraiment plus bleu que la normale. Il semble même plus près. Elle a l'impression qu'il est plus près. Il n'y avait aucun nuage, un bleu encore plus intense qu'elle n'a jamais vu. Elle n'avait jamais expérimenté ça. Puis elle fait le lien avec la densité dont Stuart parlait un petit peu plus tôt. Est-ce que Stuart voulait commenter? Yeah, okay. I forgot to conclude on that with you, Inka. Sorry. So, will tomorrow be good to have that contact about that message that you sent me? Donc, j'ai oublié de conclure avec Inka. Donc, oui, Inka, demain, on va te contacter pour avoir la suite avec le message que tu avais envoyé. Okay, let me know. Super. Donc, Inka. Okay, well,
Go ahead. We'll contact you sometime in the afternoon then. Donc, on va te contacter à quelque part dans le milieu de l'après-midi. This guy's pregnant. This guy right here, he's pregnant. Ce gars ici est enceinte. So we say congratulations to the two. Alors, on dit félicitations aux deux. Oh, you bought food, huh? That's what I'm pregnant. Okay, so, yeah. I guess back if there's anybody else, if there's anything else. Alors, de retour s'il y a quelque chose que quelqu'un a à dire. Congratulations! I'm so excited for you! Congratulations, you guys! Et il y avait aussi France qui voulait parler. On va juste attendre, là. OK, donc, parfait. Alors, la parole est à toi, France. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, voilà, 4 jours, il y a eu des vents violents, tellement violents, là. Mais ce qui était bien particulier, c'est qu'une chance que j'étais chez nous, parce qu'il y avait plein de choses sur le balcon. J'ai entendu l'annonce d'une tornade à 7h, à 5h25. Puis quand j'étais allée sur Météo Média, l'alerte avait été faite à 7h, à 5h07. À 17h07. Puis j'en venais pas. Comment est-ce qu'ils font pour ne pas avoir vu une tornade et pas l'avoir averti la veille, quelque chose de même? Il nous annonce ça comme 15 minutes avant qu'elle arrive, tu sais. So France is actually talking about 4 days ago, there were very violent winds. And she says that she even heard of a tornado alert, like a warning. So she went and seen that, and they actually created it. And she was wondering, how is it possible that they didn't even see that coming? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais chez moi, fait que j'ai pu me garocher sur les balcons et tout ramasser. Finalement, j'ai pas vu de tornade, mais je me demande à quoi ils jouent. Est-ce qu'ils veulent nous faire réagir, nous faire virer sur un dixaine, nous faire obéir aux moindres alertes, c'est quoi l'affaire? So she said that she had time to go out on her balcony and take all the chair and put everything away, but she was still very surprised that, you know, they can call a warning such as that and everybody's running around like crazy. And then there's nothing. Puis après ça, ben il se passe rien. Ah oui, il y a eu du vent, il y a eu des gros vents, mais il n'y a pas eu de tornade. Puis à ce que je sache, j'ai pas entendu personne au Québec qui a eu des tornades. So there were no tornado in Indiana, I believe. I didn't hear anyone in Quebec saying that there were a tornado anywhere, but there were some very, very strong winds. T'sais, des fois, il y en a qui disent que toutes ces choses-là, c'est créé par HARP, puis que c'est comme des genres de guerres de climat qui se font entre pays. Mais peu importe si c'est man-made ou si c'est vraiment naturel, il reste qu'on en subit tous les conséquences. So she heard that it's a possibility for HARP, like to create those climates. So she doesn't know if it's actually a war climate, if it's something that it's actually man-made or natural. En tout cas, il y a d'autres sujets que je veux parler, mais avant, j'aimerais peut-être laisser Stuart répondre à ça. So there are other things I would like to talk about, but I would like to let Stuart answer to this first. Well, only to the degree of what, like, everybody on the planet has heard of HARP and what it's designed for. Bon, seulement au degré que tous les gens ont entendu parler de c'est quoi ce projet-là de HARP, puis c'est quoi son but ultime. But I look at HARP a little differently. Mais moi, je regarde ça à HARP d'une façon différente. I look at it as more of a psychological manifestation. Je le vois plutôt comme une manifestation psychologique. Like as if it had to be something physically created
and placed upon the earth to be identified as this thing, harp, as the source of changing weather. Comme si ça devait être quelque chose que ben c'est ce projet-là qui doit modifier la température, en fait, les conditions météorologiques. When the reality is, there's a worldwide network physically strangling our Mueller that is actually changing the weather. Alors qu'il y a un réseau mondial qui est complètement en train d'étrangler notre mer et que c'est justement ça, un réseau mondial. It's like HARP is created to take our minds off of this reality and to focus on that thing which we can never actually maybe prove 100%. Donc c'est comme si HARP avait été dessiné pour que on concentre nos énergies sur ça et que ça enlève la concentration sur le fait de cette réseau, ce réseau mondial qui est en train d'oppresser notre mère Terre. But we can prove very easily just by opening our eyes and looking. Mais on peut prouver très facilement juste en ouvrant nos yeux puis en regardant. That there is a physical worldwide network strangling our mother to death. Il y a en fait un réseau mondial qui est en train d'étrangler notre mère et qui la tue par le fait même. And that changes the weather. Et ça, ça change le climat. You know, if you are, let's say, you're up in the Anishinaabe territory where my good friends are from, where Wally's from. Par exemple, si vous êtes dans le territoire Anishinaabe, là, de là que mes bons amis viennent, par exemple, mon ami Wally. You grew up in that forest and you're used to, say, let's imagine that territory has 100 square bits of forest. Vous avez grandi dans ce territoire-là et admettons, vous êtes en train de vivre dans un territoire qui a, admettons, 100 petits carrés de forêt. Well, you know that forest creates its own... its own, what would I identify, like its atmosphere, its own biosphere, temperate zone, biosphere. I'm sure you know what I mean. Donc cette forêt-là va créer, auto-créer son propre climat, sa propre biosphère. Vous savez à quoi que je fais référence. And that affects wind patterns. Et ça affecte les patrons de vent, comment le vent bouge. Which affects the amount of moisture. Ce qui va affecter la quantité d'humidité. Whether it be snow or rain. Et peu importe s'il s'agit de la neige ou de la pluie. And so if all of a sudden, if you're at Anishinaabe in that forest and say 50 bits of that forest is taken away, you're going to notice immediate weather changes in the weather patterns. Donc si vous êtes à Anishinaabe, vous vivez là, puis du coup de ces 100 carrés de forêt, il y en a 50 qui sont enlevés, vous allez immédiatement ressentir tous les changements dans le climat. There is a fact that the world overlooks. Et il y a un fait que le monde ne regarde pas. Because the majority of the world is within this category. Parce que la plupart du monde va rentrer dans cette catégorie-là. The majority of the world lives within urban areas. La majorité du monde vit dans les zones urbaines. Cities. Les villes. This is a complete disconnect from the realities of creation. Et ça, c'est une complète déconnexion des réalités de la création. You are completely disassociated, disconnected from the things that are happening naturally. Vous êtes complètement dissocié des réalités qui arrivent naturellement. And actually, in order for cities to exist, et en fait, afin qu'il y ait des villes qui existent, it has to take from the healthy areas of our Mother Earth. Ça doit prendre des régions en santé de notre mère Terre. And consume it in order for that city to stay alive. Et la consommer afin que cette ville-là puisse se maintenir en vie. So the city environment, urban environment, is actually an artificial environment. Alors la ville en tant que telle, c'est en fait un environnement artificiel. It's like you're on life support. C'est comme si vous êtes avec l'aide à vivre artificiellement. If we pull the plug. Et si on tire la plug? Everybody in that city would.
tout le monde dans cette ville-là va mourir. They'd scatter. They'd have to go somewhere else to figure another way how to survive. Ils devraient s'en aller ailleurs et retrouver une autre façon de comment survivre. So the reality is the majority of the world living in these artificial environments. Alors la réalité du monde, c'est que lorsqu'ils vivent dans ces environnements artificiels, are completely unaware of, let's say, wind patterns. Ils sont complètement déconnectés de la conscience de c'est quoi, par exemple, la façon dont les vents bougent. In the city, you'll say, oh, I know this wind pattern, I'm aware of the wind. Eh ben, dans la ville, ils vont dire, bah oui, je connais, là, le vent, là, il bouge, là. Because every time you walk down First Street or Central Avenue, the wind is always going a certain direction. Parce que à chaque fois que vous marchez sur l'avenue principale ou sur l'avenue centrale, le vent, il va toujours aller d'une certaine façon. Because it's affected or altered by the buildings in the city, the streets. Parce que ça a affecté les bâtiments dans la ville. So even wind patterns, which you think you are connected to, they are artificial in that environment. Alors même les la façon dont le vent bouge, que vous croirez que vous êtes connecté à ça, ils sont artificiels parce que ils sont dessinés par la façon dont la ville a été construite. So the fact is that the world can't be aware of this worldwide network strangling our Mother Earth because they are the network. Alors, on ne peut pas avoir ce réseau. La connexion est vraiment mauvaise. Ça coupe à nouveau, les amis. It's cutting again. Sorry. Okay, are we here? Are we good? Oui, là, ça va. Yeah, now it's good. Okay, The wind patterns. Where were we? The wind patterns. Because. Oh yeah. So the world cannot be aware of these this network, worldwide network strangling our Mother Earth, that affects her weather patterns because the people are that network. Mm-hmm. Donc les gens ne sont pas conscients que c'est eux, ce réseau mondial qui est en train d'étrangler notre Mère Terre. So as a way of appeasing oneself while being in a state of cognitive dissonance. Alors la façon de s'apaiser eux-mêmes alors qu'ils se trouvent dans la dissonance cognitive. It seems like the creation of something like HARP is necessary so that the people can focus. That's the negative thing, that it's not in fact them and the way that they live in this world. C'est comme si c'était eux. En fait, c'est pour ça qu'il faut créer un projet comme HARP, pour pas que ça soit eux qui sont le problème avec ce réseau mondial qui étrangle notre mère Terre, mais que les énergies soient divergées sur HARP, qui pointait HARP comme le coupable à la place. So I do believe in HARP and that HARP actually can change the weather patterns. Alors oui, je crois à ce projet-là, HARP, et comment qu'il peut effectivement manipuler et affecter les patrons du climat. But HARP isn't just one place in somewhere in Alaska taking up 4 or 5 acres where they have transmitters or whatever the hell it is. Mais c'est pas HARP qui va défigurer tout un écosystème en or, par exemple, et qui va mettre à la place des générateurs ou je sais pas quoi. HARP is that worldwide energy field which we're all connected in right now. We can see it in these lights. This is HARP. This is HARP right here. Et HARP, c'est on est connectés tous à ça. On le voit, c'est le réseau d'énergie mondiale, puis on le voit juste avec les lumières ici. And so, this being HARP, does it? Can it change the weather patterns? Et alors, ça étant HARP, est-ce que ça peut affecter les modèles de comment le vent bouge? Well, of course. Bon, bien sûr. But the people of the world are not aware, they do not see things with the proper vision because they are in that state of cognitive dissonance resulting from male dominance. Mais les gens ne peuvent pas le voir en tant que tel parce qu'ils sont enfermés dans la dissonance cognitive qui est associée à la domination masculine. Now all of this isn't just to say like to beat down like it's your fault. Et tout ça c'est pas pour dire bon, c'est votre faute là. When you were children. Quand que vous étiez des enfants. You were forced
to repeat something over and over and over. Vous avez été forcé à dire et répéter quelque chose une fois et une autre fois et une autre fois. And as you grew up, every year of your life, you were forced to do this. Et lorsque vous grandissiez, à chaque année, vous étiez forcé à faire la même chose. And as adults, you were still forced to continue to do that very thing over and over and over. Et à chaque année, en tant qu'adulte, vous êtes encore en train d'être conditionné à faire la même chose et encore une fois et encore une fois. So to get out of this state of psychosis of male dominance. Alors, pour s'en sortir de ce processus de la psychose de la domination masculine, you're going to have to unlearn what was rammed into your head through a constant repetitiveness. Vous allez devoir désapprendre ce qui a été appris à cause que ça vous a été infligé par la répétition une fois et une autre fois et une autre fois. So the same way that you had to do this repetitive process on the way into the state of psychosis. Alors, de la même façon que ce processus de répétition vous a conduit à un processus de psychose, you gotta go through this repetitive process to get out of the state of psychosis. Vous devez aller vers ce même processus de répétition-là pour vous en sortir de ce processus de psychose-là. OK, we'll leave it there. Anything anybody wants to On va s'arrêter là. Quelque chose d'autre? France, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai deux choses à dire, mais je viens de voir que, je ne sais pas quand est-ce que Jean-Marc a écrit à la ligne 21 du Framapad une question d'un auditeur sur la radio suite au mumble de la semaine dernière. Si tu veux prendre le temps de le lire, Marie-Claude, et de le traduire pour Stuart, puis après ça, tu pourras me redonner la parole puis gérer avec les deux autres sujets qui sortent de la question du climat. Okay, so there is a question that came in from last week's radio show at InfoCité. A person that actually sent in a question, and I have to read it on the Framapad. So just one second, not only read it, but it's probably in French, so I'll have to read it in French first and then translate it in English. So one sec. Okay. Donc, la question d'un auditeur sur la radio InfoCité suite au mumble de la semaine dernière. Jean-Michel de Québec, une question pour Stuart. Est-ce que vous avez vu les rapports sur une lune noire qui est présentement proche de nous et qui s'éloigne actuellement, nommée Nibiru, planète X, et qui serait responsable des changements du climat? So, a question for Stuart. Thank you, Jean-Marc, for translating it. That's really nice. Question for Stuart. Have you seen the reports of the black moon that is now close to us and is currently moving away, named Nibiru, planet X, and that would be responsible for climate change? Did you say Nibiru? Yeah, it's probably my pronunciation. Sorry. Oui, c'est probablement ma prononciation. Désolé. Okay, yeah, we've heard of that. It's all over the internet. You hear about that everywhere. Oui, on a entendu parler de ça, c'est partout sur l'internet. I don't know anyone personally who's seen it. Et je connais personne personnellement qui l'a vu. I haven't seen it. Moi, je l'ai pas vu. I don't know if any actual telescopes or whatever has picked up images of it. Je sais pas s'il y a en fait des télescopes qui ont comme attrapé des images de ça. But I've heard about it, and I've also heard about a lot of things here on Earth. Et j'ai entendu parler de ça, et j'ai aussi entendu plusieurs choses ici sur Terre. And I have to have my way of prioritizing the things that that we would address. Et je dois avoir ma façon de comment on priorise les choses qu'on doit adresser. But I agree that if there is another planet. Mais je suis d'accord que s'il y avait une autre planète. Or moon. Ou lune. That we were not aware of. Sur laquelle on ne connaît pas. That it would be affecting us. Que ça serait effectivement en train de nous affecter. But it would have been affecting us all the while that we were not aware of it also. Mais ça nous aurait également affecté pendant toute la période dont on n'était pas conscient de ça.
So it wouldn't be something that is a new effect upon us or a change. Alors, ce serait pas quelque chose de nouveau qui viendrait du coup avoir un effet sur nous. Even if it is something that is, say, within a cosmic cycle, say if it takes 20,000 years for it to come around Earth. Même si c'est, par exemple, quelque chose dans un cycle cosmique, par exemple, que ça a pris 25 000 ans avant que ça arrive à la Terre. Then we are aware of that. Nous, on est conscients de ça. We may not be aware of it to say cognizantly that, oh, I remember 20,000 years ago, this asteroid passing by. Il se peut qu'on ne soit pas conscient au niveau de dire, ah, oui, je m'en souviens, là, il y a 25 000 ans, il y a cet astéroïde ou cet astre-là qui a passé proche de chez nous. But if an asteroid passes by us and let's say particles sprinkle off of it and come down to Earth and it affects our the chemistry of Earth, it affects us and therefore it is recorded in our recorder, our DNA. Mais si cet astéroïde-là est effectivement passé proche de la Terre, il a laissé des traces de sa poussière ou de quelque chose, là, ça aurait laissé des traces dans la mémoire qu'on traînerait encore avec nous aujourd'hui. And even if it did, let's say, something pass by 20,000 years ago, and if it didn't sprinkle down anything on Earth, just the gravitational relationship with our Mother Earth, the interaction would be recorded the same way that such things are recorded in the rings of trees. Et admettons que s'il y a l'astéroïde qui est passé puis qui a même pas laissé des traces de poussière, là, juste le fait qu'il soit passé proche puis qui a laissé une espèce d'effet gravitationnel, ça serait encore enregistré dans la mémoire de la Terre et donc ça nous affecterait nous directement, de la même façon que les anneaux des arbres vont raconter l'histoire de la vie des arbres avec sa grosseur, par exemple. So, as far as this planet Nuburu goes, alors, concernant la question de la planète Nuburu, or if it's a moon, ou s'il s'agit d'une lune, or if it's just a thought in someone's head, ou s'il s'agit juste d'une pensée dans l'esprit de quelqu'un, or if it is some planet on the other side of the soul, the universe, ou s'il s'agit d'une autre planète de l'autre côté de l'univers. All of these things that are naturally occurring within the universe, toutes ces choses-là qui ont cure naturellement dans l'univers, are within the great body of Sky Woman, se retrouve en dedans du grand corps de la femme ciel. And so when you know that Sky Woman, like your body, et vous savez que la femme ciel, comme votre corps à vous, if there is, let's say, a tiny little splinter in your big toe, s'il y a, par exemple, un petit bout de morceau là, qui vous dérange là, dans votre gros orteil, là, it affects your whole entire body. Ça va affecter complètement votre corps en entier. Your whole entire body be aware of it. Ça va être tout le corps qui va en être conscient. Humans have forgotten their connection. Et ce sont les humains qui ont oublié leur connexion. Because our connection is all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother. Parce que notre connexion est les femmes de la plus petite nouvellement née jusqu'à la plus aînée. The men of this world, the male dominance, no longer communicate with them. Et les hommes de ce monde de la domination masculine ne communiquent plus avec eux. So since all education in this world is through that male dominant system, et puisque cette éducation se fait seulement à partir de la domination masculine de ce système-là, people have lost all knowledge of this process of how we're connected to the great body of Sky Woman and how we are our ancestors, how we are something from a billion years ago. Is us, still within us, but we, the current version. Donc les gens ont complètement oublié que même si il y a des milliers d'années que ça s'est produit, qu'un phénomène s'est produit, ça fait partie encore, c'est une partie constituante de nous aujourd'hui et qui nous fait être. I think we kind of lost track there, I don't know. If we did, I don't think we lost track. I think it's all pertinent to what we're talking about, anyways. Donc, je pense qu'on a déjà assez parlé loin et que tout était quand même assez lié. Oh no, we didn't lose track. Nuburu. We were talking about on parlait de Nuburu. So,
whether it is that or any other planet that none of us are aware of, or even another solar system that we are not aware of, it has been there already, and therefore it has already been affecting us. It is already a part of us. Donc, c'est en revenant à la planète Nobolu, ou si c'est la Lune, si ça a été déjà là, ça nous a déjà affecté et c'est partie constituante de nous. The only thing that I would say the pursuit of this Nuburu thing, the only reason why to pursue that? Je dirais que la seule raison pour laquelle on devrait poursuivre ça, la question de Nuburu, is if you could actually prove and establish scientifically, c'est si tu peux affirmer scientifiquement et établir scientifiquement that the powers in control of modern day science was aware of it, but hiding that information. Que les pouvoirs qui se retrouvent en ce moment dans le contrôle de la science le savaient, mais qu'ils l'ont caché du domaine public. But then to actually be able to reveal that, you would actually have to have access to their tools, like say, I don't know, maybe the Hubble Space Telescope or something else of that nature. Mais pour découvrir quelque chose comme ça ou pour le révéler, il faudrait que vous ayez accès à leur mécanisme, par exemple le télescope Hubble ou quelque chose du genre. So whether it is something real or not. Alors, s'il s'agit de quelque chose de réel ou pas, it really, for us, is insignificant. And as far as what is happening upon our Mother Earth. Pour nous, ça n'a pas vraiment de signification sur ce qui arrive avec notre mère Terre, sur notre mère Terre. This has been something that has always been, I'll say, in the non-native society. Ça, c'est quelque chose que je dirais qui a toujours été dans la société non autochtone. Always looking for something else, something mysterious, something other than the reality of what we know. Toujours en train de chercher quelque chose ailleurs, quelque chose de mystérieux, de mystique, quelque chose d'autre à part la réalité que nous connaissons déjà. Stick with what we know, the realities. Alors, restez juste avec ce qu'on connaît, avec les réalités. The possibilities of what may be. Les possibilités de ce qui pourrait être. Is not going to factor into the realities of where we are and what we are doing upon our Mother Earth. Ça va pas avoir un impact sur les réalités de notre mère Terre et les choses avec lesquelles nous devons faire affaire. Unless somebody believes that someone from or something from this planet Nuburu or the moon is going to convey to us information that will teach humans how to live proper in this world. Au moins que quelqu'un croit que cette lune ou cette planète de Nuburu va apprendre aux humains comment se comporter correctement sur notre mère Terre. No offense, but for me, it's on the same level as watching a hockey game, which I do not do. Pour moi, j'espère pas offenser qui que ce soit, mais c'est légal, la même chose comme si je regardais un match de hockey, que je ne fais pas d'ailleurs. So, I hope that answers the question about Nuburu. Alors, j'espère que ça répond à la question sur Nuburu. Oui, alors, France, si tu voulais parler de d'autres choses avec Stuart, la parole est à toi. En fait, j'ai trois choses. Je vais commencer par une des nouvelles que j'ai reçues, semble-t-il, d'un site que je connais peut-être pas tellement bien, mais peut-être que vous pouvez m'éclairer. So I'm going to start with the news that I've seen on a site that I don't know very well, but I'm hoping that you can actually clear things out for me. C'est sur Facebook, je pense que c'est Nathalie Marsan qui avait partagé ça, qui s'appelle The National Indigenous Women's Resources Center. Ils ont une activité le 26 juin qui s'appelle Women Are Sacred. So it's regarding an event that I believe Nathalie Marsan shared on June 26th. It's called the name that she said, the National Indigenous something. National Indigenous Women's Resources Center. That's where it's organized from. And the title of the event is Women's Are Sacred.
Et le titre de l'événement, c'est « Les femmes sont sacrées ». I don't know if it's Nathalie ou Annick qui a publié ça. She doesn't know if it's Nathalie or Annick that actually shared that. Est-ce que c'était une question que tu avais, France? Ben, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant ou de que c'est. Est-ce que National Indigenous Women's Resource Center, c'est ça vient des conseils de banque de la couronne britannique ou c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est? Okay, so the question that Francis has is that part of the band council? Is it part of the British Crown that, or should we actually encourage that event or participate? Pour la maison longue. Can you repeat the title, the name? Est-ce que tu peux répéter le titre, s'il te plaît, France, le nom de le groupe qui font ça, c'est National Indigenous Women's Resources Center. Well, tell you right off the bat, yeah, it's not, obviously, it's not a traditional structure. Oui, quelque chose qui se nomme comme ça, c'est bien évidemment pas quelque chose de traditionnel, une structure traditionnelle. No, it doesn't necessarily mean that it is a structure of the AFN. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça fait partie de la structure de l'Assemblée des Premières Nations. I don't know. I've never heard about it. Moi, je la connais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. But it kind of sounds like it's sort of on the same level of the Quebec Native Women's Association. Mais ça, en l'entendant, ça ressemble à quelque chose qui se retrouverait au même niveau que les femmes autochtones du Québec. You have to understand that when I consider something like that. Et tu dois comprendre que quand que moi je considère quelque chose comme ça, I don't base it on feelings or if it looks like they're doing good in the community or anything. Je ne le base pas sur des sentiments ou comme s'ils ont l'air de faire quelque chose du bon dans la communauté. I look at everything based within our law, the great law of peace. Je vois le tout considéré sur notre loi, la grande loi de la paix. And at the same time, being involved in a how can I describe this? Being involved in a process, being an unwilling participant in a process with another party. Et en même temps, c'est comme faire partie sans le vouloir d'une partie. So from that perspective, it's a matter of like having the true perspective of that. Well, my people, my land, my culture is being raped. Alors, de cette perspective-là, il faut toujours garder en esprit que c'est ma culture, mon peuple, ma terre qui se fait violer. And I look at my people. Et je regarde mon peuple from the standpoint of if they are compliant with it in any way. À partir du point de vue comme s'ils sont soumis à ça ou pas. And then if they are compliant. Et s'ils sont soumis à ça. Then law applies to that person. Alors la loi applique à cette personne-là. Which then they break the law of their nation. Et à ce moment-là, ils cassent la loi de leur nation. By participating in the structures of the government, the party, the British Crown that came here to rape. En participant dans les structures de la couronne britannique qui est venue ici pour violer. It's basically this today, the Native women across the country. Et fondamentalement aujourd'hui, comment que c'est pour les femmes autochtones autour du pays? Have the worst living conditions of any people on the planet. C'est qu'elles ont les pires des conditions de vie de tout le monde sur la planète. I don't care if she is a millionaire. Et peu importe si elle est milliardaire, millionnaire. If she is a native person, she is living an illusion. Si elle est autochtone, elle vit une illusion. The fact is that all the native people are victims of this.
Le fait, c'est que toutes les femmes autochtones sont des victimes à ça. And so, as a result of like the initial rape of the women after generation, generation leaves the women, ends up where they are now, spread across cities, no longer in their communities, no longer with their people. Et alors, comme résultat de ça, des générations et des générations qui ont subi ce viol constant, là, les femmes ne sont plus dans leur communauté. And so, based on those conditions, they find, yes, so they create these organizations. Et en se basant sur ces conditions-là, là, ils vont dire, bon, on va créer une organisation. But the fact is those organizations are compliant with the rapist. Mais le fait, c'est que ces organisations-là font partie de les structures que le violeur a amené ici. Because they're all structured within on the laws of that rapist. Parce qu'ils sont structurés toutes selon les lois que ce violeur-là a amené ici. And they're all there asking the rapist for money, for handouts. Et ils sont tous là en train de demander le violeur de l'argent. So that identifies a collusion with the rape, a compliance with the rape. Alors ça identifie une collusion avec le viol, une complicité avec le viol. Not just compliance, actual collusion. Et en fait, pas seulement la complicité, mais vraiment la collusion avec ça. Because if the person who's getting raped is profiting off of their own rape. Parce que si la personne qui se fait violer est en fait en train de se bénéficier de son propre viol. That's collusion. Ça, c'est la collusion. It's also suicide. Et c'est aussi du suicide. And this is how I look at my people. Et c'est comme ça que moi, je regarde mon peuple. We're still on the battlefield. Nous sommes encore dans le champ de bataille. There is a war. Il y a une guerre. That has been waged upon my people, started 500 years ago. Qui se fait sur mon peuple, qui a commencé il y a 500 ans. It's never ended. Et ça n'a jamais terminé. It's in full swing right now. Et c'est à totale machine en ce moment. Actually, where we are is the state of the native people across Turtle Island. Et en fait, où nous sommes, l'état général des Autochtones sur l'île de la Tortue. Is the equivalent of we were sitting happily in our house. C'est l'équivalent à, ben, on était assis heureusement chez nous. And this madman from across the water came and threw a stun bomb in the middle of our house. Et ce fou de l'autre côté de l'océan est venu puis a lancé une bombe en plein milieu de notre maison. And everybody scattered. Et tout le monde s'est répandu. And so now they find themselves living in squalor. Et maintenant, ils sont en train de vivre dans les tranchées. Because they can't find their way back home. Parce qu'ils ne peuvent pas retrouver le moyen de revenir à la maison. They've been sucked into the maze. Ils ont été absorbés par le labyrinthe. And they believe in democracy. Et ils croient à la démocratie. So they're committing suicide. Alors, ils font du suicide. Every step forward, every time they confront the decision to turn left or right, they're complying with it. Et chaque fois qu'ils avancent, qu'ils sont confrontés à tourner à gauche ou à droite, ils sont complices. They're not backing out of the maze. Ils ne sont pas en train de reculer du labyrinthe. They're going deeper. Ils s'en vont plus profondément. And so for me, this is how I look at all organizations. Et alors pour moi, c'est comme ça que je regarde toutes les organisations. Because no matter what those people in those organizations want to believe about what their intents are. Parce que peu importe ce que les gens veulent croire de c'est quoi leurs intentions, les gens qui se retrouvent dans ces organisations-là. There is a political fact. C'est un fait politique. That they are registered as a non-profit organization under the British Crown. Qui sont enregistrés en tant qu'organisation non gouvernementale sous les lois de la couronne britannique. First thing they might say is no, not under the British Crown. They might say federal or provincial. Big deal. Et d'abord, la première chose qu'ils vont dire, ça va être non, c'est pas la couronne britannique, c'est fédéral ou provincial. Bon, c'est quoi la différence là? They're registered. Ils sont enregistrés. And the moment that you're registered, you're under the Queen's rules. You're doing what the Queen tells you to do, even if you think you're doing what you want to do. Et le moment que vous êtes enregistré, vous êtes sous les lois de la reine et vous faites ce qu'elle vous dit de faire. And on top of it, et en plus de ça, all the taxes and everything that is generated out of it, you're actually giving that to that woman they call the queen so she can continue the destruction that they are compliant with.
tous les impôts puis tout ce qui va à la couronne britannique, à la reine, c'est quelque chose que vous êtes en train de générer pour elle. Et en plus, c'est être complice avec ses lois à elle. Also, you have to understand. Et je dirais, il faut que vous compreniez. But I know that no one within the democratic mentality will understand. Mais je sais qu'il y a personne en dedans de la pensée démocratique qui va le comprendre. That democracy destroys your ability to think proper. Que c'est la démocratie en fait qui va détruire l'habilité de penser adéquatement. Because democracy is war. Parce que la démocratie c'est la guerre. It's division. C'est la division. It's us and them. C'est eux et nous. It's what I want and what they want. C'est ce que moi je veux puis ce que eux ils veulent. So democracy is war. Alors la démocratie c'est la guerre. And the moment that anybody participates in democracy. Et dès le moment qu'il y a quelqu'un qui va participer dans la démocratie. They're fighting in the war. Ils sont en train de faire la guerre. Wherever you don't realize the battlefield you're fighting upon. Sans vous rendre compte de quel côté du champ de bataille vous vous retrouvez. So whether it's this organization or that native organization, this native organization, they are all the same. They are a part of the problem. Alors, soit-il cette organisation non autochtone, si ils sont tous ceux assujettis aux mêmes lois qui sont de la couronne britannique, et alors ils sont intégralement partie du problème. There is only one native organization that is not a part of the problem. Il y a juste une seule organisation autochtone qui ne fait pas partie du problème. And that's our traditional councils. Et ça, c'est nos conseils traditionnels. And that is no way an organization on the same levels of an organization like some a woman's organization or a native organization. Et ça, ça fait pas, c'est pas d'aucune façon le même niveau d'organisation qu'une organisation des femmes autochtones ici ou des femmes ou de n'importe quoi d'autre. The traditional councils under the authority of our mothers, under the great law of peace. Les conseils traditionnels sous l'autorité de nos mères dans la grande loi de la paix. Is the only the only way to think proper. C'est la seule façon de penser correctement. Because it's not on division. Parce que ce n'est pas une division. It's upon the love of our mothers, including and bringing together. C'est l'amour de nos mères qui va inclure et ramener ensemble. So anyways, again, I'll say, when I look at issues like this of what you bring up, I look at it very differently, much more deeply than I'd say your average person does. Alors à nouveau, quand que je regarde des enjeux comme ce que tu es en train de soulever, je le regarde plus profondément que ce que quelqu'un d'autre le regarderait. So there you go. France, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, j'ai deux autres points à soulever. Merci pour la réponse. C'était vraiment intéressant. So thank you for the answer. It was very interesting. Fait que mon premier point concerne les arbres, puis le deuxième concerne le traité du wampum à deux voix. So the first thing I want to talk about is about tree, and then I would like to talk about the two wampum too. C'est un article que j'ai trouvé sur un site que je connais pas tellement qui s'appelle returntonow.net. It's an article I found on returntonow.net. C'est marqué Trees have heartbeat scientists discovered. Et le titre c'est Les arbres ont un cœur qui bat et ça les scientifiques soi-disant viennent de découvrir ça. Je peux vous lire si vous voulez. I can read it to you if you want. C'est pas tellement un long article, mais... It's not a very long article. Peut-être nous le résumer, France? Maybe you can summarize it? Ben, c'est tellement court que je peux juste le lire. Until now, scientists thus water move through trees by osmosis in a somewhat continuous manner. Now they discover the trunk and branches of trees are actually contracting and expanding to pump water up from the root to the leaf, similar to the way our heart pump blood through our body. The only difference between our pulse and a tree's is a tree's is much slower beating once every 2 hours and so on.
And instead of regulating blood pressure, the heartbeat of a tree regulates water pressure. Il y a d'autres choses. Donc, l'article disait en fait que il trouvait que, en résumé, le tronc, les branches, il y a vraiment un pouls là, qui se fait là, qui absorbe l'eau, en fait, qui fait monter l'eau jusqu'aux feuilles de l'arbre. Et la seule différence entre les humains et les arbres, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus lent pour les arbres. Ils disent à peu près un battement de cœur à tous les 2 heures. Il y a d'autres choses, je peux vous lire, mais est-ce que, c'est vu qu'il est déjà 9h moins quart, j'ai d'autres choses à parler à propos du traité du Wampum. J'aimerais ça juste voir ce que Stuart en pense, puis s'il est content que j'y envoie le lien sur Longhouse. So, would Stuart be interested by that article? And then she has to ask about the tour Wampum. Yeah, of course, send it. We'd like to see it. Edith has something to say about that. Oui, bien sûr, tu peux l'envoyer, puis Edith a quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, France, puis ce qui m'est venu, c'est que ça serait vraiment intéressant, c'est sûr, je ne sais pas si tu pourrais contacter les scientifiques, ou, mais ça serait vraiment intéressant si maintenant ils sont capables de mesurer ça, s'ils pouvaient mesurer la quantité d'expansion puis de contraction de ces racines-là, quand il y a la nouvelle lune et quand il y a la pleine lune. So the only thing that came to my mind when friends were saying this is that since they are already measuring the expansion and contraction of the roots, the scientists, whoever they are, maybe they could be contacted to tell them to measure whenever the contraction and the expansion in the same roots are varying in the degrees, or I don't know how they measure that, maybe by barometer regarding the pressures and their densities, whenever the full moon is out and when new moon is out. Yeah, I have something to say about that too, about when you look at your own body. Et j'ai quelque chose aussi à dire par rapport à ça, c'est quand que tu regardes ton propre corps. You know that there's veins in your body, that's how the blood gets to every part of your body. Et c'est grâce à tes veines et tes artères dans ton corps que ton sang va arriver et tout ton corps. You know, we could imagine that if there was no blood in our veins. Et on pourrait imaginer qu'il n'y avait pas de sang dans nos veines. That vein would have a certain diameter, circumference. Que cette veine-là aurait une certaine circonférence, un diamètre. And then when blood is pumped into it from the heart, et quand que le sang est pompé à travers le cœur, that vein would expand. Que la veine prendrait de l'expansion. No, let's ask ourselves, is it the vein expanding, contracting and expanding, or is it the heart doing that? Et donc nous devons nous poser la question, est-ce que c'est les veines et les artères qui font la contraction et l'expansion, ou est-ce que c'est le cœur qui fait ça? When we look at it like this, et quand on le voit comme ça, we will see that every function within the body, on va voir que chaque fonction dans le corps is not a function unto its own, n'est pas une fonction à elle-même. That it is a function that is coming from a point of origin. Mais une fonction qui vient d'un point d'origine. It isn't deciding on its own to expand and contract. Et ce n'est pas sa décision à cette fonction-là de avoir de la contraction ou de l'expansion. It's coming from the spirit that drives it. Mais que ça vient de l'esprit qui la conduit. So, pertaining to the trees, let's look at the spirit that drives it. Alors, en relation aux arbres, nous pouvons regarder l'esprit qui les conduit. We know, of course, that the moon pulls water. Nous savons bien sûr que la lune va attirer l'eau. So, every day and night, alors, chaque nuit et jour, the trees are going to feel a pull. And they're going to feel a release, an expansion, and a contraction within them. Les arbres vont ressentir comment qu'ils se font tirer, puis en même temps drainer. But this is what science does not identify, the source
of that power. Mais voilà ce que la science n'identifie pas, la source de ce pouvoir-là. But humans, not bound by the stupidity of modern science, male-dominant science, mais les humains qui ne sont pas liés à la stupidité de la science de la domination masculine can easily deduce this. Peuvent facilement déduire ceci. And then you would find the proof and evidence of spirit all around us. Et après, vous retrouveriez la preuve de l'esprit partout autour de nous. Spirit of the trees. L'esprit des arbres. In the way that they interact with one another, even. La façon dont ils interagissent les uns avec les autres, même. I could show you on my property where we buried my father. Et je peux vous montrer dans ma propriété là où on a enterré mon père. You can see those trees physically communicating. Vous pouvez voir comment que ces arbres-là communiquent physiquement. And how you can see this? Et comment que vous pouvez le voir? Is that you can see that a bigger tree? C'est que vous pouvez voir qu'un arbre plus grand didn't grow branches in a place where a smaller tree was. N'a pas poussé des branches là où il y a un arbre plus petit. You see big long branches, but where the smaller tree is, no branches. Vous voyez qu'il y a des arbres très longs, mais là où le petit arbre se trouve, il n'y a pas de branches. That's communication. Ça, c'est la communication between the trees. Entre les arbres. Now think of this. A bigger tree, a more powerful tree, is communicating something to a tiny tree. Et pensez à cela. Un arbre plus grand, plus puissant, est en train de transmettre un message de communication à un arbre plus petit. What is it that's communicated in that gesture? Et qu'est-ce qui est communiqué dans ce geste-là? That I'm bigger than you. Que je suis plus grand que toi. I can grow into your area. Et que je peux grandir sur ton aire. But I won't. Mais je vais pas le faire. I give you the space to grow. Je te donne l'espace pour grandir. So the message that's conveyed even from one tree to another. Alors le message qui est porté même d'un arbre à l'autre. Is the message of love. Est le message de l'amour. The proof is there scientifically. In all things in creation. Et la preuve est là, scientifiquement, dans toutes les choses de la création. Proof first of a spirit from which we all derive our power of life. La preuve d'abord d'un esprit duquel on a tous et toute notre force de vie. And then we can see how that spirit physically manifests itself here in this world on a larger scale to affect all of us. Et après, on peut voir comment que cet esprit-là est manifesté ici sur nous. Il va nous affecter toutes et tous. If you're in the body, si vous êtes dans le corps, you're right here in my left shoulder, ici dans mon épaule gauche, it can feel my heartbeat. Il peut sentir mon battement du cœur. Because every time my heart beats, parce qu'à chaque fois que mon cœur bat, there's a blood cell knocking at the door. Il y a une cellule de sang qui va cogner à la porte. And that cell there hears it and opens the door. Et cette cellule est là, puis elle va ouvrir la porte. And communicates with the heart of the larger body. Et communique avec le cœur du corps plus large. As can you. Et comme vous pouvez aussi le faire. Communicate with the heart of the larger body. Communiquer avec le cœur du corps plus large. And when you do. Et quand que vous le faites. You will see that you will not be bound by the stupidity of male dominant science. Vous allez voir que vous n'allez pas être lié à la stupidité de la science de la domination masculine. But you will see how our mothers will reveal to us how creation actually works. Mais vous allez voir comment que ça va être nos mères qui vont en fait nous révéler comment que la création fonctionne. This is true science. Et ça, c'est la véritable science. That's human scientific technology. Et ça, c'est la technologie de la science humaine. So truly, alors véritablement, the most scientifically advanced thing in creation, la chose la plus avancée scientifiquement parlant dans la création, is our mothers. Ce sont nos mères. The women. Les femmes. From the newest born baby girl to the eldest grandmother. De la plus petite nouvellement née jusqu'à la plus aînée. The most technologically advanced thing in all creation. La chose la plus avancée dans la technologie de la création. And this is why, of course, again, why male dominance is so threatened.
Et voilà pourquoi que la domination masculine est si menacée. Because its science cannot explain what you can explain. Parce que sa science ne peut pas expliquer ce que vous pouvez expliquer. Your science cannot lead people the way that our mothers can lead people. Sa science ne peut pas diriger les gens de la façon dont nos mères peuvent le faire. That science cannot love and comfort a child. Cette science-là ne peut pas aimer et conforter un enfant. As a matter of fact, it destroys the comfort of every child on earth. En fait, ce que ça fait, ça détruit la confortabilité de chaque enfant sur terre. So the bottom, the message of everything that we just said. Alors, je pense que le centre, le noyau du message, c'est ce qu'on vient de dire. Is that why do you need modern science to reveal to you the women are mothers with you? Can already know and feel and detect. C'est pourquoi que la science est là pour vous révéler quelque chose que vous, en tant que mère, en tant que femme, vous savez déjà. It's time to break out of this science. Il est le temps de vous séparer de cette science-là. It's time to stop putting so much. What's the word I'm looking for? Credibility. Credibility, influence. Influence in this science. Il est le temps d'arrêter d'avoir autant de crédibilité, l'influence à partir de cette science-là. It's time for women, especially. Il est le temps que les femmes, spécialement, to get in line with that power. S'enlignent avec ce pouvoir-là. Start challenging that power that has killed your mothers, killed your bloodline in the past. Et commence à mettre en action ce pouvoir qui a tué vos lignées de sang dans le passé. Because it's raping your daughters right here in the present. Parce qu'il est en train de violer vos filles à ce moment-ci. Imagine what it's going to do to the faces yet beneath the earth. Imaginez ce que ça va faire aux visages qui sont encore en dessous de la terre. So don't wait for science to tell you anything. Alors n'attendez la science là qui vous dise rien là. Because it ain't going to tell you how to protect and defend our mother. Parce qu'elle ne va pas vous dire comment défendre et protéger notre mère. It's only going to reveal to you how to destroy her. Ça va seulement vous dire comment la détruire. So I'll leave it there. If there's anything else, we're getting pretty close to closing time. Alors voilà, et on approche à l'heure de la fermeture. If there's anything else, if not, we'll close up. S'il y a quelque chose, sinon on va fermer. France, tu avais une dernière partie à ta question? Merci, c'est en plein ce que je m'attendais à ce que Stuart réponde pour la question de la science. Regarding science, actually I knew that Stuart would actually answer that way. Ça fait longtemps que nous les femmes, on connaît la communication avec les êtres vivants sur Terre puis qu'on s'y réfère constamment. Us women, it's been a long time we've been communicating with every being on earth, so we know this is true. On passe pour des folles, ils ont brûlé les sorcières. We say, they say actually that we are witches and that we are crazy. Puis quand ils voient que ça pogne pas, ben ils s'en prennent à nos enfants pour qu'on soit obligés de les soigner avec toutes sortes de diagnostics les plus stupides les uns que les autres. And if we get out of it, well, there'll be after our children, which they'll be pumped out of all these chemicals. En tout cas, ce que je voulais dire à propos le dernier sujet que je voulais parler ce soir, c'est que mon cousin à qui j'ai envoyé de l'information sur la Grande Loi de la Paix et tout ça, il m'a envoyé une page, c'est un blog que je vous ai envoyé par courriel, même à Radio Infocité, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent à travers la communication en direct de Radio Infocité. Je pense que Jean-Marc le publie sur YouTube Live. Regarding my cousin, actually, that sent something to me regarding the Great Law of Peace. It's actually a blog. I have sent it also to Jean-Marc because I know in Radio Infocité they also share something during their show. Le titre de l'article qui a été mis sur ce blog-là, qui s'appelle JBL 1960 Blog World Press. So the title of this article on that blog.
C'est honorer les traités. La voie parallèle, ces deux rangs symbolisent les vaisseaux qui voguent ensemble sur la même rivière. En tout cas, ça m'a l'air d'être quelque chose qui va vraiment dans le sens de ce que Stuart parle. So it talks about honoring treaties, and the one talking about there's two lines, one in the canoe and everything. So it really is, France believes that it is linked to the Tour Wampum. Ça a été publié le 7 mai par Joe Bustalali. It was published on May 7th by this gentleman. J'ai pas tout lu. Il y a deux articles, un en dessous de l'autre, qui s'appelle Les Indésirables rentrent au barcail par le Mohawk Nation News. So I didn't read everything, but I've seen that there was another article related to Mohawk. L'autre, c'est résistance aux colonialistes. Les larbins de l'Assemblée des Premières Nations font le sale boulot pour le gouvernement colonial du Canada. It's a bit long for me to translate like that, but can you repeat, France? I'll try to translate it. The first article is the indésirable. Comment tu dirais indésirable, Marie-Claude? Unwanted. Rentre au bercail par Mohawk Nation News. So the unwanted ones are coming back home. C'est quoi le reste, excuse-moi? Par Mohawk Nation News. With Mohawk Nation News. Puis le deuxième article, c'est résistance aux colonialistes. And the second article is resistant to colonialism. Ça a été fait le 4 mai. It was made on May 4th. Les larbins de l'Assemblée des Premières Nations. De larbins, I don't know how to translate that. I don't know that word in French. Of the First Nation. Font le sale boulot pour le gouvernement colonial du Canada. Are doing the dirty work for the colonial government of Canada. On dirait que c'est traduit de l'anglais. En fait, je viens de voir qu'il y a un lien qui était traduit par Résistance 61. Looks like it was translated from English. The English thing comes from Mohawk Nation News. Twisted Gidgid coming home to roots. Est-ce que Stuart aimerait commenter? I don't know. What about it? What is it you're saying? I'm not grasping. Je comprends pas. C'est quoi que tu dis? Je saisis pas. I can read to you in English the one that I found the link in English if you want. No, not necessary. I'm just wondering. I don't understand. What is it? What's the question? What is it that you're asking? Non, il n'est pas nécessaire. Je demande juste, c'est quoi la question que tu poses? En fait, je voulais juste vous souligner que cet article-là vient juste d'être écrit, puis que ce serait peut-être bon qu'on prenne le temps de l'étudier. Comme je l'ai reçu hier soir, j'ai pas vraiment eu le temps de tout étudier, mais je trouve que ça a l'air de s'en aller dans le même sens de ce que tu dis, Stuart. So it is an article that I received last night. I haven't read it all, but I think that it might be interesting to pay attention to it and study it. So I wanted to know if there was like an interest from Stuart. Well, I know precisely the organization you're talking about. Je connais précisément l'organisation dont tu parles. I know exactly who it is. Et je sais c'est qui. I don't know if it's somebody else writing the article or if it is the woman that publishes that Mohawk Nation News. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui publie l'article ou c'est la femme qui dirige en fait ce site web qui s'appelle Mohawk Nation News. If it was just written, I don't know, you're really just telling me information, but if it was just written, I would imagine that it has something to do about
some of the women are people who just took a court case about them having the right to live in Ganawagi. Si ça vient d'être écrit, moi, je dirais qu'il se peut qu'il y ait un lien avec ce qui vient de se produire, avec le fait qu'il y a des femmes qui ont pris en cours le sujet de gens non autochtones, supposément, qui habitent à Ganawagi. Est-ce que c'était ça, France? Was that the subject, France? J'ai pas vu ça. D'après moi, c'est qu'ils dénoncent la colonisation par l'Empire britannique, le retour à la terre. En tout cas, je vous l'ai envoyé par courriel à Edith, Marie-Claude, puis Studio InfoCité. So I didn't see that specifically. It really is something opposing colonialism and... So I sent it to Marie-Claude, yourself, Edith, and Jean-Marc also from Radio InfoCité. Okay, well, anyways, right now we're really talking about something that we don't know what we're talking about, so let's not continue wasting our time talking about. Donc, en fait, en ce moment, on parle de quelque chose qu'on ne sait pas de quoi qu'on parle, donc il ne faut pas gaspiller notre temps quand on ne comprend pas de c'est quoi qu'on parle. We'll look at it. On va le regarder. But I'll tell you that generally, I do not look at anything that comes from Mohawk Nation News. Mais je te dirais que normalement, moi, je ne regarde rien qui vient de ce site web Mohawk Nation News. Because again, like I said, I know precisely the people, the person. Parce qu'à nouveau, je connais précisément les gens, la personne qui est derrière. You know, anybody can stand up and say... the environment is in danger. Et qui que ça soit peut se lever debout puis dire bon, l'environnement est en danger. But if the person has been working for the corporation all along that's destroying the environment, what good does it do for them to say that? Mais si la personne a travaillé toute sa vie pour cette corporation qui détruit la planète, ben à quoi bon de parler de ça? It'd actually be a distraction for you who's maybe looking for the truth. En fait, ça serait plutôt une distraction pour vous qui cherchez la vérité. Anyways. En tout cas. Let's see what it is. If I got the time, I'll look at it. If I see if it looks interesting. If not, like I said, generally, I don't look at those things. Voyons c'est quoi, puis si j'ai le temps, puis je suis intéressé, je vais le regarder. Mais comme je viens de dire, normalement, moi, je suis pas intéressé par ces choses-là. OK. Merci beaucoup, Stuart. Donc, personne n'a demandé la parole. Donc, je pense qu'on pourra attendre quelques secondes et puis procéder à la fermeture. So, nobody else wanted to speak. So, I think that we could wait just a few seconds and then proceed to the closing of tonight's session. Okay, we just to inform everybody, the reason why we're here was because of, like we said, there's a play rehearsal going on. We were actually disturbing them. They had to go downstairs in the basement to rehearse. Donc, à nouveau, juste pour réitérer la raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on est ici pour la répétition de la pièce théâtre qui va avoir lieu samedi. En fait, on est en train de les déranger. Il a fallu qu'ils descendent en bas. But it's a play that we're going to be putting on this Saturday. I believe it's at 7 o'clock at the Greek Workers... Mm-hmm. Association. Building association. Donc à nouveau, c'est dans l'association des travailleurs grecs qui l'adresse est le 5359 Avenue du Parc à Montréal. It's going to be a really good play. Et ça va être vraiment une très bonne pièce de théâtre. We're going to be talking about Sky Woman, our grandmother Moon, our mother Earth, all the women. On va parler de la femme ciel, notre grand-mère lune, notre maman terre, toutes les femmes. It's actually about the play's about the Ohondagariwadekwa. En fait, la pièce de théâtre est sur le Ohondagariwadekwa, les mots qui viennent avant toute autre chose. Connected to modern day examples of how the people have strayed so far away. Et qui est connecté aux applications modernes du jour, si vous voulez, comment que les gens sont si éloignés de ça. Okay, yeah, so I guess we can close up. Alors nous pouvons fermer maintenant. Maybe just one last thing, since you are with Christine, ask her if she wants to share anything on, you know, social media. We can make that go around, you know, Facebook pages, etc. Donc peut-être une petite note, là, étant donné que vous êtes avec Christine,
et Rami, ben, peut-être leur demander s'ils ont quelque chose à faire tourner là, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a un groupe, là, mais en tout cas, bref. What time is the play? À quelle heure la pièce de théâtre, samedi? It's at 7, c'est à 7 heures. Mm-hmm. Du soir, évidemment. I'm going to close it then, huh? So, if anybody gets the chance, you come down here. Look, they got a unplugged up a little. They got a art display. They got all kind of stuff. There's all kind of things going on throughout the week, and we're gonna be here on Saturday. So the play is actually gonna take place in here. They're setting up, and yeah, if there's going to be a concert here Friday also, so yeah, all kind of things. Okay, Anna! Anna! Edith, prends de l'huile de coco pour ta gorge. Okay, then! Bye-bye, ma belle, je t'aime!